OK. Alors, la question du sans tabou, docteur, c'est si tu reçois de l'argent de ton ex par erreur, est-ce que tu ramènes ou pas? Je ramène. Hein? Puisque c'est un ex. On n'a plus de lien. C'est ça. S'il doit m'envoyer de l'argent, il m'appelle. Bien sûr. Ah, aujourd'hui, je veux t'envoyer ta pour tant. Docteur, c'est pour ça que tu es médecin. Tu as fait de longues études. Donc, tu... Non, mais c'est bien, docteur. Pour tel problème, oui. Je t'envoie tant. J'ai appris peut-être que tu as perdu quelqu'un ou bien il y a eu tel problème. Puisque je connais ta famille, je t'apporte mon petit soutien. Voilà. Ça, je peux prendre. Mais par erreur, c'est pas une erreur. C'est pas par erreur. Vraiment. Il connaît mes numéros, il connaît tout. Ah, très bien, docteur. Erreur. D'accord, j'ai compris, je reviens à toi tout à l'heure. Aurélie, dis-nous. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Je dis, tu m'as envoyé l'argent par erreur. C'est le remboursement de tout ce que tu m'as fait subir, là, qui est sur mon compte. Et si c'est, si c'est 5 000. OK, fini, fermé, je te rembourse. Et si c'est 5 000. Si c'est 5 000. Mais pourquoi tu as me demandé de rembourser 5 000? Même son 100 francs, même, je te donne oh, pas. Oh, ça, là, tu lui poses question. Tu dis quoi? Je dis... catégorique. My money is my money. Tu m'as envoyé, c'est pas de ma faute. Désolée. D'accord, très bien. Didi, déjà, dis-nous. Franchement, moi, je vais ramener. Ouais. Ouais, je vais ramener parce que, comme la tata a dit, de pourquoi, en fait, tu me ramènerais de l'argent? Maintenant, bon, en tout cas... Ça dépend du montant, attention. Peut-être. Par principe, je vais ramener. Parce que j'estime que l'ex et moi, on n'a pas à avoir de deal d'argent. Tout. Et puis, si c'est une erreur, il va forcément t'appeler pour te dire c'est une erreur. Et je ne tiens pas spécialement à avoir de relation particulière avec un ex. C'est ça. Donc, je ramène ton argent. Maintenant, si c'est un ex qui était avare, méchant, c'est dommage et intérêt. Ah, si tu étais avare et méchant, c'est dommage et intérêt. D'accord. Mais sinon, si c'est quelqu'un de correct, non, je te ramène ton argent. Donc, tout dépend de la relation que tu as eue avec l'ex. Ah, okay. Yasmine, alléluia. 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 Radio Assoir, jingle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une sainte pour une réponse sainte. Donc, en temps, j'avais donné ma vie à Jésus. Et à l'église, le pasteur a dit... Allez en Égypte récupérer ce qu'on vous a volé. Alors lui-même, là, il ne lui a rien demandé à force d'envoyer le feu. Lui-même, il s'est précipité et puis il a envoyé l'argent qu'il me devait. Bon, je récupère tranquille en sang. Merci, là-bas. Je prends, je mets payer ma dîme à l'église. Amen. Et je rends gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Laisse-la parler. Dieu l'a touché. Et ça, c'est je suis d'accord avec une elle. Fois, Yasmine et Aurélie. Sont d'accord. Moi, là, je suis d'accord. Un problème, ma bénédiction. Alors, donnez la dîme au Seigneur. Tu sais, maman, c'est toi qui n'as pas bien vu. Tu sais, tata, toi, tu as les bons maris, hein. Tu as eu des bons nounous, c'est là, tabataba là. Tabataba t'envoie jeton. Souvent, même là, ils nous ont doublé un jour. Un jour, mais tu as choisi Péré qui dit paye pas. Un autre jour, tu as demandé l'argent pour mettre ton compte, tu dis donne pas. Quand on parle, on est matérialiste. Actuellement, en 2022, là, les hommes, ils aiment cadeau. Pourtant, quand tu as quitté ici, là, tu t'en prends le pont, tu as payé. Au retour, encore pour monter dessus, tu as payé. Pour descendre, tu as payé. Merci. Même maison, tu rentres dedans, tu as payé caution. Loyer, tu n'as pas payé 3 jours, ils vont te chasser. Courant, maintenant, tu n'as pas payé 2 jours, ils vont couper. Voilà. Bon, pourquoi nous, les femmes, vous ne voulez pas qu'on prenne un peu dans vous? D'accord, OK. Alléluia. C'est bien compris. Bon, écoutez, on est à la fin de l'émission. Donc, moi, comment? Moi, honnêtement... Voilà. Qu'elle sourit comme ça, elle fait son jingle, elle fait son jingle. Quand il tournait pistolet, mettait dans son follow. Quand il tournait pistolet, allez, réponse des gens, allez. Non, mais en réalité, franchement, si c'est un ex avec qui j'ai pas de problème et tout, je vais lui ramener son argent, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un ex qui m'énerve, comme DJ a dit, qui m'énerve, mais de dingue, et effectivement, il y a des gens qui t'as dit que t'as pas du tout, mais tu t'énerves. En fait, je ne vais pas décrocher son appel parce que je suppose que. Moi, mais il était bien. Avant je même. Je ne sais rien s'est passé, en fait. J'étais bloqué, fini même. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais décrocher ton appel pour quoi que ce soit. Je ne sais pas. Donc, pourquoi mon numéro était dans ta tête? Je suis désolée, mon cœur. Et puis, tu t'es. Comment tu as fait quand tu as pensé que c'est à mon numéro, tu as pensé pour envoyer l'argent? Tu t'es pas trompé. Quand il a d'abord posé sa question à Dieu, vous l'avez dit dans certains cas de figure. Il y a des ex, les ex, des cas de meilleurs, ils ne peuvent pas se tromper pour nous envoyer jetons. Dans ce sens même. C'est là pour guérir le palu, maman. Alors,